Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce lundi 7 novembre 2022. Il y a pas mal de nouvelles, on attaque tout de suite, mais avant je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, liker, partager, ça nous aide énormément. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, on attaque tout de suite. Nous avons le taux de chômage qui est tombé, donc 3,7 vendredi, augmentation de 0,2. Contrairement à ce qui avait été planifié, il avait été notamment escompté 3,5, on est passé à 3,7. Donc là-dessus, je vous rappelle l'explication, je vous fais un résumé plutôt de l'explication que je vous ai faite en hebdomadaire. Donc la vidéo de samedi, je vous invite à la regarder. Cela fait partie des signes forts réellement en tout cas de l'impact de la dynamique et de la politique de la Fed sur l'augmentation des taux directeurs. Si on a une augmentation du chômage, c'est bénéfique pour le marché financier, pas pour l'économie générale, mais bénéfique pour les marchés financiers parce que ça veut dire que la politique de la Fed fonctionne, on augmente le taux de chômage, donc ça veut dire qu'on crée une forme de récession économique, et cette forme de récession économique incite la Fed, à un moment donné, à diminuer la vitesse à laquelle ils augmentent les taux directeurs. Et c'est ce qu'essaie de pricer depuis un certain moment le marché financier, et le fait d'avoir un signe de 3,7 montre qu'en effet, on n'a pas de stabilisation au niveau du chômage, on a une augmentation légère. On rappelle que c'est forcément décalé entre les deux, on a 6 mois, 1 an de décalage entre l'impact sur l'économie réelle et l'augmentation des taux d'intérêt, mais là-dessus, il faut aussi comprendre que 3,7 c'est pas non plus énorme, d'accord? On est revenu à 3,7, on a fait 3,5, 3,7, 3,5, 3,7. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une forme de ranging entre les deux, ce n'est pas une véritable augmentation. Pour moi, il aurait fallu casser les 3,7 et aller vers les 3,8, 3,9, 4 pour avoir un véritable signe fort. Donc pour moi, peut-être il y a un overpricing de cette nouvelle-là par rapport au positionnement de la Fed sur notamment décembre. Ça, je vous ai déjà fait mon retour dessus et mes perspectives. Vous savez un petit peu où je vise maintenant. Alors, autre gros point, on va parler de FTX. FTX, c'est un petit peu le show du moment parce qu'il y a un certain fait qui a commencé sur la notion de solvabilité de FTX. Un employé, entre guillemets, aurait donné des informations, alors notamment une partie, parce que ça a été démenti, comme quoi la balance sheet n'est pas entière, etc., etc., d'Alameda Research, qui, globalement, est derrière FTX, et qui serait basé exclusivement, ou quasiment exclusivement, sur du FTT, avec en plus des positions non liquides. Donc on se retrouve dans une schématique proche de Celsius, où il risque d'avoir un manque de liquidité. Alors forcément, étant donné qu'il manque une partie de la balance sheet et qu'on n'a pas encore toutes les informations, c'est toujours très compliqué, mais ça n'empêche qu'on a déjà un départ clairement des capitaux, et notamment, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est le tweet de CZ, donc CEO de Binance, un concurrent, qui annonce la liquidation de 2,1 milliards de dollars de FTT au vu des annonces, entre guillemets, je cite. Dans un autre tweet, il explique ne pas supporter les personnes qui font du lobbying contre les autres joueurs de l'industrie. Alors, voir exactement ce qui se passe, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont arrivées sur lesquelles je n'ai pas encore d'informations et qui fuiteront peut-être par la suite, mais ça n'empêche que, bon, à partir du moment où on se retrouve sur une politique vraiment de zéro risque sur Binance, comme ils l'avaient annoncé, hein, ils avaient annoncé que ce qui s'était passé sur Terra Luna ferait changer les choses de leur côté, et ils sont sur une tolérance de zéro risque. Ça veut dire que dès qu'il y a la possibilité d'un FUD, peut-être un risque, hop, ils liquident directement. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer maintenant. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai déplacé les fonds que j'avais sur FTX ailleurs. Et vous, qu'est-ce qu'il en est? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour ceux qui cherchent une plateforme de trading, n'oubliez pas Bybit aussi en commentaire. C'est la plateforme personnellement que j'utilise. Après, à vous de me dire où est-ce que vous allez les envoyer. Est-ce que vous avez des plans pour remplacer les 8% ou non? Est-ce que pour vous, FTX est sans danger? Personnellement, je trouve que 8%, c'est peu cher payé par rapport au risque potentiel d'un dépôt de bilan et d'une disparition des fonds.
On continue dans les nouvelles avec Meta qui va effectuer aussi des licenciements cette semaine. Alors c'est vrai que la semaine dernière c'était Twitter, maintenant c'est Meta, ça va faire quand même pas mal de monde sur le marché du travail dans le secteur de la tech. Hein, là, parce qu'on a eu quand même 50% de Twitter, on ne sait pas combien de pourcents de Meta. Rappel, Meta c'est 70 000 employés je crois. Donc en fonction du layoff qu'il va avoir, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde sur le marché du travail qui pourrait justement augmenter les chiffres américains. Hein. Bon, ça, je pense que là c'est plus un côté troll de ma part, mais c'est vrai que le marché de la tech dessus, le marché de l'emploi de la tech ne va pas être représentatif du marché, en tout cas du taux d'employment sur le reste du marché. Hein. Là-dessus on va suivre un petit peu ce qui va se passer, mais c'est vrai que Meta on savait à un moment donné que vu les chiffres qu'ils avaient eu, on allait avoir un gros layoff à déterminer l'impact de ce layoff réel. Ensuite, on continue. Oui, il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, en tout cas ce week-end qui sont tombées, que j'ai pas eu le temps de couvrir, avec notamment Vitalik Buterin qui a annoncé donc le 5 novembre l'ajout à la roadmap d'une étape supplémentaire qui s'appelle The Scourge. Alors oui, je sais, les super noms, c'est pas leur fort, on va le dire clairement. C'est une update qui aura pour but d'augmenter la résistance et la résilience d'Ethereum à la censure, et notamment en réglant un souci qui est créé par les MEV. Alors, MEV, c'est les Miner Extractable Value. Alors ça, c'est quoi exactement? Ça veut dire que quand on a en fait une validation des blocs, les transactions, avant d'être placées dans un bloc, sont placées dans ce qu'on appelle une mempool, donc c'est-à-dire une pool mémoire, donc ils sont stockés à un endroit, et ensuite, on définit lesquels rentrent dans un bloc qui vont être proposés par le validateur. Ça, l'optimisation de ce bloc, ça s'appelle les MEV. C'est-à-dire comment j'optimise au mieux ce bloc, quelles sont les transactions que je vais faire passer en priorité. Donc ça sous-entend que, dans ce moment-là, je suis capable de limiter certaines transactions et de faire de la censure. Donc justement, la notion de l'augmentation, enfin de l'ajout de cette étape au niveau de la roadmap, va permettre de régler la notion de censurabilité de Ethereum, qui pose vraiment, vraiment problème. Alors, normalement, elle est notée en troisième position, donc c'est-à-dire après The Surge. Pour rappel, The Surge, c'est l'augmentation de la scalabilité, à voir si ça va rester en l'état ou si ça va passer avant The Surge. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que ça devrait passer avant la notion de scalabilité, parce que c'est vraiment un des problèmes techniques réels, alors qu'on connaît depuis un certain temps, hein. Considérer que c'est juste le passage en Proof of Stake qui a fait ça, c'est absolument faux. Ça existe même sur le BTC, ça existe sur pas mal de choses. C'est vrai que ça a exacerbé la mise en place de ça, mais ça n'empêche que là-dessus, il va falloir vraiment faire quelque chose pour la pérennité d'Ethereum. Ça me rassure de voir que c'est pris en compte et qu'ils sont en train de travailler dessus. On va terminer les nouvelles sur deux choses. On n'oublie pas, nous avons les midterms mardi. Donc demain, midterm, très très important, c'est quoi? C'est la validation ou non du Parti démocrate et qui va donner ou non, en fait, du pouvoir à Biden sur les décisions. Si jamais on se retrouve encore sur un mix républicain-démocrate, on risque d'avoir quelque chose qui va être très compliqué pour Biden, et donc, derrière, mettre en péril pas mal de choses, que ce soit, un, les actions qui sont effectuées dans la géopolitique globale, deux, des actions qui sont effectuées au niveau de la législation sur les crypto-monnaies et tout ce qui est en train de se passer. Donc, là-dessus, il y a vraiment une période d'instabilité qui n'est que la première partie. Alors ça, c'est vraiment important, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il faut comprendre que actuellement, je vous parle beaucoup du marché américain en vous disant que le marché européen, globalement, on l'oublie pour l'instant parce que la zone euro est vraiment dans une phase critique et que ce qui nous tient clairement, c'est le marché américain, mais le marché américain en lui-même a quand même des difficultés géopolitiques, politique actuellement, surtout avec une scission vraiment démocrate-républicain qui est très très forte, avec notamment le clan des Trumpistes qui joue un rôle vraiment énorme. Donc on a en fait une Amérique qui est vraiment en train de se scinder en deux avec des risques politiques très très forts. Les midterms, ça reste une des premières étapes, mais ça va être vraiment les prochaines élections américaines qui vont vraiment être très déterminantes dans la suite et surtout la valorisation de la confiance de l'État américain. Pour rappel, le dollar ne tient plus qu'à la notion de confiance qu'on a au marché américain. Et ça, c'est vraiment très très important. On peut avoir, suite à une instabilité politique, une problématique du dévaluation du dollar. Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, sur le BTC, ça va être juste extraordinaire. Oui, je suis d'accord. Par contre, ça sous-entend qu'avant, on aura un gros dump
qui sera assez colossale avant de pouvoir profiter de la chute du dollar. D'accord ? Donc là-dessus, il va falloir faire très attention, surtout que l'économie européenne dépend beaucoup actuellement des US, et donc pourrait accélérer, si jamais on a une instabilité US, pourrait accélérer justement la cassure très très forte de l'Europe et de la zone euro. Donc là, il faut vraiment garder ça en tête. Les midterms sont première étape, et ensuite ça va être, donc plus tard, mais ça va être la réélection, avec notamment un Biden qui n'est pas au mieux de sa forme. On va le dire, quand on regarde un petit peu la communication qui est autour, quand on parle de Biden, on voit plus souvent les problématiques qu'il a de perte de mémoire, de confusion, plutôt que des signes forts de stabilité, et là-dessus, ça joue aussi beaucoup. Ensuite, l'autre nouvelle, c'est nous avons les IPC qui tombent jeudi. Alors, c'est très important, il va falloir les suivre pour déterminer un petit peu la tendance que l'on va avoir, notamment sur l'inflation, et ça va nous donner un peu la tonalité sur cette fin d'année, sur justement décembre, est-ce qu'on est 75 points, 100 points, ou 50 points, comme une partie du marché est en train de le pricer, ce qui est pour moi peut-être un petit peu chaotique, et un petit peu surtout précoce. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Mais avant, je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire épinglé et en description. Discord qui est 100% gratuit avec plein d'informations, avec plein de choses sur la blockchain, sur le trading, sur l'investissement, sur les différentes crypto-monnaies. Tout est structuré, il y a du contenu en plus. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent soutenir le Discord et la chaîne, on a mis en place un premium avec plein d'avantages. Beaucoup plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation et de contenu structuré autour d'un parcours pédagogique, et ça augmente toutes les semaines. Des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires qu'on effectue, des briefs quotidiens que je vous fais tous les matins pour vous donner toutes les informations pour pouvoir préparer votre journée, globalement tout pour aller plus loin. Et si vous êtes curieux, je vous fais une petite vidéo en haut à droite, le petit lien, pour pouvoir regarder une petite présentation de tout ce qu'on propose, parce que là, ce n'est juste que la partie visible de l'iceberg, donc n'hésitez pas à regarder la petite vidéo, et on attaque tout de suite sur notre partie technique avec la représentation habituelle de notre hypothèse Eliottiste avec une vague 2, vague 3, 4, 5, 5 terminée en avril 2021. Donc nous avons terminé les 5 vagues d'impulsion Eliottiste, nous sommes dans un retracement A, B, C, retracement long terme, actuellement nous sommes dans une C avec extension, B avec extension, nous sommes dans un order block classique avec une extension 382, de là sur la B, quelque chose de très classique pour potentiellement une fin de C. Sur du long terme, investissement long terme, nous sommes toujours en dessous du 618, au-dessus du 786, investissement long terme, on pourrait descendre plus bas, oui, nous avons des targets sur lesquels on pourrait aller chercher les 15 000 $ qui sont le top de la 1 et le 786 ainsi que l'extension 272 de la première impulsion baissière. Donc on aurait justement un appel de prix fort dessus qui pourrait être intéressant justement pour potentiellement continuer à DCA si jamais on est intéressé sur le long terme. Ensuite, deuxième target, nous avons beaucoup plus bas les 10 000 $ avec le 1,618 de la prolongation de la A sur la B. Donc quelque chose qui serait très poussé pour une fin de C avec un order block qui se trouve ici. Et clairement, nous avons aussi un objectif Ishimoku qui se trouve dans les 10 000. Est-ce que on irait voir les 10 000? Pour l'objectif Ishimoku, quand on regarde un petit peu le passif, on sait que plusieurs fois, on a eu des objectifs qui étaient beaucoup plus bas au niveau d'Ishimoku et qu'on n'est pas allé chercher ces zones de résistance. Donc là-dessus, personnellement, voilà, je mets plus de côté. Et pour casser à 10 000, pour moi, il faudrait vraiment avoir une grosse news, une grosse cassure. Alors, on peut en avoir plusieurs. Là, je vous en ai cité, notamment dans les nouvelles 2, on pourrait avoir, en effet, FTX qui se vautre. Là-dessus, ça ferait vraiment très mal. Et ensuite, on aurait, par exemple, une problématique au niveau des mid-termes, donc une grosse instabilité au niveau des USA, donc une diminution, une contraction de la liquidité obligatoire, et donc on se retrouverait encore dans quelque chose d'assez fort qui pourrait en effet entraîner soit la visite des 15 000, soit la visite des 10 000. Mais pour arriver aux 10 000, pour moi, il faut vraiment casser très fort, parce que les 15 000 sont vraiment la première étape, et sur lequel on pourrait avoir une restructuration et un redépart aussi, d'accord ? Pour moi, la plus grande possibilité serait la mise en place d'un ranging entre 17 000, 15 000, et on va dire le plus bas 15 000, 25 000, ce que je vous explique déjà depuis un certain temps. On va zoomer ici pour regarder un petit peu où on en est. On a une petite schématique qui est en train de se mettre en place de vagues Eliottistes que j'ai notées, sur lequel on pourra avoir une vague 1, hop, vague 2 de retracement, vague 3 effectuée avec un bel objectif retracement de la 4. Et ensuite, on aurait une vague 5. Vague 5 qui aurait fait sa finalité à 21 500
sur lequel on aurait justement le 618, et là on pourrait être dans un retracement A, B, C structuré. Donc là c'est un petit peu l'indice que l'on peut avoir, ça sous-entendrait que du coup on irait faire un retracement fort, sur lequel on aurait aussi une schématique de vague 1, vague 2, donc on irait retracer potentiellement au niveau de zones que je vous ai déjà donné d'ailleurs, sur lequel on pourrait avoir un retravail très très fort, donc 19500 les 618, un retracement très très fort avec une cassure notamment de 19000 qui nous entraînerait entre 18800 et 19500, avec notamment la liquidité qui a été laissée par le lot de la 2, donc sur lequel on pourrait avoir un travail du coup. Bon, ça reste purement hypothétique pour l'instant, même si nous avons quand même un beau respect structurel qui est en train de se faire, le fait que pour l'instant nous n'ayons pas cassé ici le top, là, nous avons fait juste un break of structure mineur ici, break of structure mineur qui est en attente de validation par ce second break of structure mineur. Donc là, quand on fait un break of structure mineur, généralement, on retrace, et ensuite on retravaille. La question est, est-ce qu'on aura un retracement fort, avec justement une structure en ABC, pour aller travailler justement potentiellement les 618 ou les 786, ou tout simplement un petit retracement ABC très faible, et sur lequel on repartira à la hausse. A savoir que nous avons d'autres indications que potentiellement ça pourrait être ça. C'est que cette schématique, si on zoome en une heure, ça vous parle un petit peu, ceux qui font du week-off d'ordre général, où nous avons ici la mise en place d'un BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. D'accord ? Donc là, nous avons quand même une schématique qui est en plus corrélée avec une divergence baissière du RSI, où nous avons la mise en place d'une distribution. Alors encore une fois, je vous ai expliqué aussi dans les quotidiennes de la semaine dernière que principalement on pouvait avoir une distribution qui est sur baissière avec une cassure du saut et une réaccumulation ici dans les 618 à 19500 pour repartir à la hausse, et ça ferait une réaccumulation, et ce qui serait aussi une concordance de ce qu'on est en train de voir au niveau de l'héliotisme. Donc on est quand même sur quelque chose qui, somme toute, est intéressant techniquement, en tout cas même très intéressant techniquement, dans lequel on a quand même pas mal d'informations, et on peut arriver à se projeter un petit peu sur le travail que l'on pourrait avoir du cours. Surtout que si on regarde un petit peu au niveau des liquidités, on voit qu'on a des liquidités qui tournent autour des 20500, donc un appel de prix potentiel ici dans les 20500, et les prochaines liquidités en effet sont à 19700, 19800, donc ça nous amènerait sur une prise de liquidité à 19500. Donc c'est vrai que si on casse et qu'on casse ici le lot qui a été fait, ça sous-entendrait qu'on irait potentiellement chercher plus bas. Après, moi, la petite alerte que j'ai, c'est qu'on est déjà quand même très très bon niveau du RSI en une heure. Là, ça serait compliqué de continuer à descendre très très fort sans avoir une restructuration à la hausse. D'accord ? Donc là, il va falloir vraiment surveiller parce qu'on pourrait avoir une réaccélération haussière, surtout si on commence à avoir la mise en place d'un certain nombre de shorters. Si on regarde justement l'order flow, on voit qu'on a eu un petit passage de gros shorters sur la totalité des comptes, mais on est toujours dans cette phase de neutralité hein, depuis un certain temps, depuis le 26 octobre, on est sur la totalité des comptes au niveau de Binance, sur une zone de neutralité forte. Clairement, je pense que le marché attend, que ce soit crypto ou que ce soit le marché général, le fait d'avoir du FUD en plus sur pas mal de choses fait que ça rajoute une pression très forte. Et si on regarde les top traders, oui, nous avons une petite augmentation qui est principalement liée à cette accélération haussière. On reste toujours majoritairement long, on ne passe pas dans la barre des shorts. Mais si on regarde, on voit qu'on a une petite inflexion de l'accélération. On n'est pas allé retravailler des zones supérieures, on n'est pas allé retravailler ici. On est allé retravailler juste à peine le top ici et on a un petit peu du mal. Donc on a une rebaisse ici, clairement, de l'open interest. Donc on pourrait avoir justement une validation de la distribution. Là, pour moi, l'order flow me dit surtout, fais attention. Enfin, clairement, là, je n'ai pas de signe dans l'order flow, donc il faut apprendre, quand c'est comme ça, à juste faire un step back, et donc faire un pas arrière et dire, ok, bon, je vais peut-être attendre, je vais peut-être patienter un petit peu sur ce qui va se passer. Autre point intéressant, c'est que nous avons au niveau de la totalité du market cap crypto, quelque chose qui est plutôt positif, avec un redépart haussier, mais pareil, hein, je tenais à vous le noter, nous n'avons pas cassé ici, d'accord ? Cette cassure ici n'a pas été faite, et tant qu'elle n'est pas faite, bon, bah, on n'est pas structurellement haussier, d'accord ? Donc là, pour moi, il faut faire vraiment très très attention, on pourrait avoir une continuité baissière pour aller retester à minima ça, voire potentiellement aller prendre ça. Donc là, on est dans une phase sur laquelle il faut être patient, on sort d'une zone de neutralité
qui a été assez longue, hein, d'accord, zone de neutralité, qui a commencé principalement sur le 27 août. Alors j'agrandis un petit peu 27 août, même si certains diront plutôt début septembre, mais on est quand même dans une zone de neutralité qui est plutôt résiliente par rapport au marché classique, ça, je le concède certainement, mais ça n'empêche qu'on peut avoir un décrochage lié, encore une fois, à une nouvelle sur le marché crypto. À savoir que les décrochages qu'on a eu précédents, les gros gros décrochages, je ne parle pas du premier, mais je parle de ceux, celui-là et celui-là, les deux énormes que l'on a eu, bah, ça c'est Luna, ça c'est Celsius. Bon, bah, là, si on a du FTX, bon, ça va faire vraiment très mal. Alors, bon, personnellement, je ne donne pas forcément très cher du FUD qui est effectué là, c'est juste que, de base, je suis dans une tolérance aussi de zéro risque depuis un certain temps, donc dans lequel je fais très attention. Alors, on va aller voir un petit peu le Nasdaq. Nasdaq, comme je vous ai expliqué dans l'hebdomadaire, je reviendrai pas longtemps dessus, on a eu quand même une semaine qui a été très, très difficile, même si on a eu un début de semaine qui a été, une fin de semaine, pardon, un vendredi qui a été plutôt positif, notamment porté par les chiffres de l'emploi américain, donc qui a été plutôt positif, mais on a un début de journée qui est plutôt chaotique, hein, qui est plutôt chaotique, et je pense qu'il sera chaotique tant qu'on n'aura pas passé les mid-termes. On n'oublie pas, l'instabilité, en général, ça ne fait pas plaisir sur les marchés financiers, donc dans la stabilité, soit on descend, soit on range. Généralement, on a plus tendance à ranger. Donc il est fort probable de se retrouver dans une zone de ranging qui risque de durer pendant un certain temps, dans lequel là on a déjà retracé une grosse partie de l'accélération du 13 octobre. D'accord ? Là, quand on regarde vraiment le Nasdaq, on voit qu'on a cassé, quand même, on a retracé quasiment plus de 80%. Donc ce qui fait déjà pas mal. Si on fait une zone de ranging ici, il y a intérêt que les mid-term se passent bien pour pouvoir repartir à la hausse, parce que si on recasse baissier, bon bah si on recasse baissier, on va pas se leurrer, le prochain objectif c'est 9500, d'accord. Même si le BTC a une résilience et les cryptos ont une résilience actuellement sur le marché classique, on le voit depuis un certain temps, quand on regarde ici le BTC, bon, c'est assez flagrant, on voit qu'on est plus sur quelque chose de très flat, alors qu'ici on est plus en mode montagne russe. Hein. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la volatilité normalement est censée être dans les cryptoactifs, là actuellement il est plus dans les indices. Bref, ceci étant dit, on peut avoir un impact au niveau du BTC, on peut aller avoir un retest des 17 000, que sur la macro, si jamais on n'a pas de nouvelles, juste une cassure réelle de la macroéconomie, donc on pourra retester les 17 000. Si on rajoute des news mauvaise, oui, là on va aller à 15 000. Là on va aller à 15 000. Au niveau du DXY reprend un petit peu de forme. On a eu quand même une grosse accélération haussière weekly sur lequel on a ravalé quasiment tout et on a repris un petit peu. Et là on est en train de se diriger plutôt sur quelque chose qui va être somme toute assez boule. Mais pour moi, il faut vraiment temporiser parce que je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui est lié sur l'attente des mid-termes. On voit bien qu'on n'a pas recassé la partie haute. Je vous avais dit que vous pouvez avoir un appel sur les 114. Bah là, on a quand même une grosse bougie de correction vendredi où ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, donc dans lequel on pourrait avoir une continuité baissière. Là, pour moi, on est toujours dans une continuité baissière. On n'a pas break les highs, donc on est toujours dans des lows de plus en plus bas. Donc à ce moment-là, on serait dans une continuité pour aller retester les 108. Pour moi, c'est un petit peu la directive que j'ai, donc qui serait plutôt dans une zone de temporisation en attente des mid-termes. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les mid-termes vont jouer vraiment? Qu'est-ce que vous attendez au niveau des mid-termes? Plutôt une réaction haussière du marché, une réaction baissière? Quelle est votre vision? Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.